Dans l'épisode précédent, la France du vélo souffre pour Thomas Beauclerc et prie pour son genou. Je suis pas pessimiste, je suis pas optimiste. On va voir au jour le jour. Voilà. J'ai vraiment du mérite. Yuki Arashiro a vécu 206 km d'échappée, une attaque prévue, il a manqué 8 km pour la gagne. C'est en voiture, cérémonie protocolaire oblige, que Yukiya rejoint l'hôtel. Dans ses bras, le prix de la combativité, un trophée bien exposé. Ça c'est combattible. Prix de la combativité. Hey! Hi! Alex! Félicitations mec! Je mets devant! Ça marche. Oh nickel! Le slalom qui était en tête, félicitations. Ici. Toi, t'es content, t'es monté sur le podium? Ah oui. C'est bien. On va voir l'échappée. C'est bien, ouais. La belle échappée. Toujours. C'est quoi le king? Dans quelle chambre? Hein? Dans laquelle? Dans laquelle? Avec toi? Chambre 158, le téléphone sonne. C'est sa femme, photographe sur le tour, au pied du podium. Elle non plus n'est pas repartie les mains vides. On parle dans le podium. Elle est journaliste, elle est photographe, donc elle était là devant de moi, le protocolaire. Donc on est parlé ça. J'ai donné fleurs pour elle. T'as failli être le premier japonais à gagner une étape. Bah pourquoi pas. Essayer. Aujourd'hui, pas possible. Mais notre équipe, une autre étape, on peut encore échapper comme ça. Si échapper jusqu'au bout, ouais. Je vais essayer encore. Hey Yuki, le maillot jaune a dit que t'étais un kamikaze. Ah oui, c'est ça, le départ zéro, j'y attaque. Et tu l'as rechambré pareil au protocole, tu lui as dit? Ouais, j'ai dit bah, pourquoi tu m'as dit ça. Bah, il a dit bah t'es japonais, bah, ouais. Machin, là. C'est pas le méchant. Ouais, c'était pas un méchant. Ouais, c'était pour chambre, rigoler quoi. Oui, c'est ça. Bon, ça va. Ouais. C'est cool. Ouais, c'est bien. Bon, ouais. Allez, à tout à l'heure. Salut. Ce matin, Thomas Beauclerc a retrouvé les siens. Sa femme Julie et ses deux enfants, Maï et Lila. Sa petite famille a loué un camping-car et va l'encourager sur la route du tour. Alors, t'es content de venir sur la cour ? T'as le chercher ? Protocole après match. Et papa, quand ce sera les coureurs des Eurocars qui passera, quand c'est toi qui passera, le mec il me fera coucou. Ah je sais pas, parce que tu sais, des fois ça va rouler vite, alors je sais pas si je pourrais. Aujourd'hui tu pourras me faire coucou ? Je sais pas Maï, je sais pas à quelle vitesse on va passer. Et puis tu sais, il y a beaucoup de monde, hein. C'est pas comme par exemple à la route du Sud, hein. Il y a beaucoup de monde. D'accord ? Hey,
voilà. Tu peux nous faire le petit cri encore, Yukiya? Y'a que mon coude qui a osé. Le petit cri de l'attaque. Mais c'est que quand il est devant, ça. Vous saviez quand même que quand Yukiya il attaque dans le peloton, il fait Banzai! A chaque fois qu'il attaque, bah, il crie ça. Un fou. J'ai appris que t'étais dans notre secteur. Salut, bon état. Danser sous le soleil. Ça douce chaleur. Salut les gars. Bonjour à tous. Ça va? Bonjour. Ça sent le camp. Comment ça va Thomas? Salut. Et dis-moi, on m'a dit que tu avais un petit souci au genou. Ouais, ça va, hein, c'est pour faire parler. Hein. Je fais ça normal. Non, c'est pas grand-chose. Et donc. On va dire que c'est pas pire qu'il y a trois jours, pas mieux que demain. Mais... Tiens, ça c'est ma femme. Mais non, c'est la mienne, c'est là. Enfin, j'espère que c'est pas la même. Comment ça se fait que tu aies la sonnerie de ma femme? Tu peux expliquer ça, s'il te plaît? C'est vrai que c'est la même sonnerie. Aujourd'hui, franchement, je vois mal comment piéger les sprinteurs. Donc le but, c'est quand même de rester au chaud. On n'essaye pas de choper l'échappée. Pas de Rob Car à l'avant, donc. C'est pour mieux repartir à l'attaque sur d'autres étapes. Je veux tellement bloquer la roue, je peux pas m'arrêter, je suis comme ça. Mais tu sais, quand je te l'ai dit, je peux pas repartir, je t'ai déraillé, t'as vu, hein? Je t'ai dit 3 km, on était en dessous de la banderole. Et je pense que les mécanos, faut qu'ils viennent de ma roue arrière. Je t'ai fait un dérapage, j'étais sur la roue avant. J'ai dit, j'étais là, j'en évite un deuxième. Je dis putain, pourvu que ça me rentre pas dans le fion. Une chose est sûre, la belle échappée continue.